Et bonjour à tous, si vous êtes fan pour une nouvelle partie de Harmony 64. Et aujourd'hui, sans perdre de temps, on va ici. Et donc du coup, aujourd'hui, on va faire une étoile. Un peu spéciale. Et donc du coup, il faut aller... En fait, j'ai fait n'importe quoi. En fait, faut aller là-bas. Et donc du coup, peut-être aujourd'hui, on va faire les 100 pièces de ce niveau. Wouah! Oh, ça faisait peur. Ah, j'ai été déconcentré. C'était trop effrayant. Oh purée, ça fait un bruit horrible, les deux mélangés. Ah, franchement, je conseille de faire ça au moins une fois dans la vie. Franchement, ça fait un peu mal aux oreilles, mais c'est rigolo. Hop là. Voilà. Donc, du coup, il faut monter ici. Et voilà. Notre objectif, le bloc là-bas. En fait, la vraie technique, c'est de faire ça. Mais c'est nul, parce qu'on se fait toucher. Mais bon, c'est pas grave. Ouah, on dirait qu'Harmony, elle s'est fait mal à la tête. Et voilà, je vais vous montrer la vraie technique pour une fois. Et pas une technique de cheater. Alors, les secrets. Alors, les secrets. Ils sont où les secrets? Pas encore l'heure de faire les 100 pièces, par contre. Mais bon, pour les secrets, faut aller là-bas. Caméra. J'aime pas quand t'es comme ça. Ah, le pauvre. Ah, mais c'est une victime, ce pauvre ennemi. On n'arrête pas de le victimiser. Après, les reporters de coupe à lambda, ils vont de nouveau faire des crises parce qu'on n'arrête pas d'harceler les habitants du royaume champignon. Alors. Et voilà. J'hésite même à faire... Non, pas tout de suite les 100 pièces. Vaut mieux pas. Oui, on s'en occupera une autre fois. Enfin, dans une autre étoile. Là. Non, on me lance pas. Ah, zut. Ah, c'était violent. Eh, machine violente. Viens là. Oui. Oh. Non. Ouf, elle m'a pas mangé. Zut. Ah, je me fais lancer comme un vulgaire ballon, c'est terrible. J'ai l'impression d'être dans Smash Bros. Aucun respect. Non, mais c'est trop la honte. Non, c'est pas un secret. Ah bah non, je sais où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'ils sont les deux autres secrets. Il y a lui. Voilà, c'est mon ami. Et il y a lui là-haut, qu'on avait déjà découvert dans la précédente partie. Donc du coup, pas de surprise. Et voilà. En fait, j'ai déjà 46 pièces. C'est vrai que c'est tentant. Est-ce que je fais les 100 pièces quand même? Non, ça serait pas bien en fait. Étant donné que j'ai pas toutes les pièces, on s'en occupera un peu plus tard. Et yeah! Deuxième étoile! Bravo Harmony! J'espère que ce let's play vous plaît toujours autant. Alors, la ville des 5 pièces. Ouah, ça a fait des bruits bizarres. C'était à la fois sympathique et effrayant. D'abord, on va pas aller tout de suite là.
Parce que maintenant, c'est l'heure des 100 pièces. Et oui, vous les attendiez. Harmonie, elle a le feu. Oui, elle a le feu, ça veut rien dire, mais voilà. Allumez le feu. Non, je devais pas faire ça. Ah, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, là. C'est pas comme ça qu'on fait. Alors, d'abord, on doit attendre notre ami. Coucou, t'es notre ami, hein. Oh, non, mais il se fait tellement victimiser, ce pauvre ami. On n'arrête pas de le dire tout le temps, mais il se fait quand même beaucoup victimiser, c'est effrayant. C'est pas bien, Harmony, faut pas faire des... Faut pas faire, comment est-ce qu'on dit, des fixations sur les gens. C'est comme dans Smash Bros, quand tu fais du mal à quelqu'un, après, il te harcèle parce que... Parce que, bah voilà, parce qu'il trouve que tu lui fais trop mal. En parlant de Super Smash Bros, en fait... J'aime beaucoup de personnages dans Smash Bros 4, même si j'aime pas forcément l'opus, parce que personnellement je préfère quand même Brawl ou Melee, parce qu'ils sont un peu plus fluides. Non, tu m'auras pas. Laisse-moi tranquille. Coucou le feu. Coucou le feu. Non, toi t'es pas du feu, toi t'es... je sais même pas comment ça s'appelle en fait. Un patineur. Alors, ça fait 66. Ah bah, on est bien parti. Eh, monsieur. Ah, je m'y attendais pas. Pourquoi t'as fait ça? Mais non, mais tourne-toi bien. Oh, 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 oh. Oh, il a un peu de mal. Coucou, ça va? Oh, il avait juste besoin d'être rechargé. Allez. Ah, oh, ah. Oh. Je veux pas mourir. S'il vous plaît, je veux pas mourir. S'il vous plaît, je veux pas mourir. Oh non, il m'a vu. Il m'a vu. Oh. Coucou, boule. Même si tu t'appelles Amp. Tu t'appelles pas boule électrique, tu t'appelles Amp. Alors, 84. C'est un bon chiffre. Je suis plutôt confiant. Ah, j'ai eu le secret sans même toucher le bloc, c'est trop bien. Voilà. Et donc du coup, ben... Il manque une pièce, c'est trop nul. Donc du coup, maintenant, c'est le moment. Je sais même pas où est-ce qu'elle est, la bobombe, en fait. Elle est où, la bobombe? Non, toi, on te fera pas de mal, cette fois. T'as déjà appris à nager dans la dernière partie. Elle est où la bobombe? Ah, elle est là-bas, je l'ai vue. Je t'ai vu, tu peux pas te cacher. Coucou bobombe. Merci. Le canon. En fait, je pensais pas en avoir besoin, mais... Bon, il me manque une pièce, on n'y peut rien. Et puis même, de toute façon, je l'aurais ouvert parce que les... Il n'y a plus d'étoiles que je peux faire ici, en fait, je crois. Je crois, en tout cas. Alors, Harmony. Prépare tout blast-off. Alors, je sais jamais comment est-ce qu'on fait. Là. Ah oui. Dans l'intersection du bleu ciel et du bleu foncé. Ok. Allez, explorons des nouveaux horizons. Avec des flèches qui disparaissent. Alors, que va-t-on découvrir? Une cité mystérieuse? La petite sirène? Nous allons découvrir quelque chose qui fait du bruit, ça fait peur. Oh, là, il y a une pièce. Yeah! Ah, c'est cool. Voilà. Mais je l'ai là. Voilà. Harmony, t'es trop fort. Je veux ça en fond d'écran de la vidéo, ça serait trop cool. Harmony. Harmony qui décide finalement de marcher sous l'eau. En fait,
Elle nous avait dit déjà, je crois, une fois, que c'était une sirène, mais voilà. J'aurais pas pensé que c'était vrai. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire les... J'allais dire les 100 pièces, mais on va faire les pièces rouges. Donc du coup, on fait un rebondi mur, saumuro, wall jump, tout ce que vous voulez. Hop là. Non, non, non. Ouf. Hop là. Ça fait deux. Ouah. Oh, pauvre Harmony, elle a dû avoir mal. Oh, une vie. Comme si j'en avais passé. Je la veux. Et voilà, j'ai 10 vies. Plus personne peut me battre. Alors. Ah bah, il y a de quoi faire. Il y a plein de pièces partout. 110. Par exemple, dans ce niveau, c'est très facile d'avoir les 100 pièces. Il y en a partout. Allez, hop. Ah, le bloc, il m'a repoussé avec sa force psychique. Ou psychologique, comme dans Mario Party. Je sais pas si la partie, elle sera sortie avant truc, ou si je vous spoil un peu. Mais c'est pas grave. Allez. Pouvoir psychologique. Alors, où est-ce qu'il y a encore des pièces rouges? Il y en a une là. Ouah. Et la dernière, là-bas. Du coup, on va faire de nouveau un saumuro. C'est bon. Ah oui, il y a quand même de quoi faire du point de vue des pièces. Il y en a presque 150. Voilà. C'est pas grave si vous loupez les pièces bleues. Même si c'est quand même grave parce que vaut mieux avoir les pièces bleues. Allez. Je vois plus rien. Je contrôle plus Harmony. Harmony, il faut pas faire des saumuros là. Hop là. Amazing. Amazing. Ah, j'y arrive pas. Bon. 133 pièces, on est bien parti. Allez, c'est parti pour la dernière étoile de ce niveau. Et zut, je suis pas en bon niveau. Bon bah du coup, je suis obligé d'activer le... l'eau. Alors, on va montrer comment on monte par ici. Voilà. Comme ça, on peut monter facilement. Là. Oh zut. Ah oui, et pour les petits malins qui voudraient essayer d'avoir l'étoile trop facilement, bah ça marche pas. Ça marche pas, le bloc il se détruit pas si on ne saute pas en dessous par la terre ferme. Et même si on fait une charge au sol dessus, ça marche pas non plus. Donc les petits malins qui veulent tricher, ça marche pas. Faut trouver la bonne technique. Et donc du coup, pour y arriver, il faut viser là. Entre le ciel bleu et le ciel violet. Même si j'avais dit bleu foncé. Et là, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, j'ai réussi. Ah. Alors ça, vous y aurez pas cru. Je sais, je suis fantastique. Se dit Harmony. C'est pour ça que tout le monde m'aime. Parce que je suis trop fantastique. Même les jeux qui sont déjà faciles, je les rends encore plus faciles. Avec le pouvoir des Lumas. Non, et franchement, j'adore jouer Harmony dans Super Smash Bros. 4. J'aime beaucoup son style. Surtout parce que je suis un piètre offensif. Donc du coup, avoir le Luma qui peut attaquer à ma place, c'est vraiment très pratique. Ah, je peux passer à travers. Coucou, coucou. La fusion. Oh, il a essayé de frapper le mur. Il t'a rien fait, le mur. Elle est un peu fâchée, c'est tout. Bon. J'arrive pas à monter. Ah, alors... Voilà. Waouh, Harmony, elle flotte, elle est trop forte.
Et voilà. Et vu que c'est déjà la fin et que c'est pas tout à fait quand même la fin, on va aller voir lui. Coucou Toad. Coucou Toad. Ah, merci pour les étoiles du château. Si je peux te dire quelque chose, regarde dans la salle des miroirs. Il y a quelque chose qui n'est pas reflété. Et ça, c'est un niveau. Et j'ai aussi trouvé ça. Merci Toad. Et voilà, étoile gratuite. Et donc du coup, dans la prochaine partie... ce tableau me semble bizarre, il est plus petit. Et ceux-là, ils ont déjà été là. Peut-être que ce tableau... Est-ce que c'est un tableau monde? Vous le saurez dans la prochaine partie, même si je pense que tout le monde le sait déjà. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous !